Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans le même accoutrement que la fin de la dernière vidéo vlog que vous avez vue sur la chaîne. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pendant 14 jours pour vous parler de maximum 14 lectures. Donc mon but, c'est de nouveau, vous connaissez la chanson, essayer de lire 14 livres en 14 jours. J'en profite de faire 14 livres 14 jours parce que j'ai 8 jours de vacances. Même si ces jours sont bien remplis, que voilà, il y a quand même pas mal de trucs à faire. C'est quand même des jours de vacances, hein, et donc j'ai beaucoup plus le temps de lire. Surtout que là, aujourd'hui, je me déplace, donc je vais en vacances pendant 3 jours dans une petite région de Belgique. Vous verrez des petits plans, à mon avis. Donc ça met 3 heures de train, je pense, quelque chose comme ça, 2 heures et demie. Et donc, aller-retour, ça fait déjà quand même quelques heures de lecture. Donc je ne sais pas encore ce que je vais lire, enfin je me suis fait une pile à lire de 30 livres parmi lesquels je vais choisir dans le courant de ces 2 semaines, mais ça va certainement sûrement changer, hein. J'aurais plein d'envie, vous savez, hein, quand je termine un livre je me dis je lirai bien ça, qui n'est pas dans la liste, voilà. Mais en tout cas, il y a une lecture que j'ai bien envie de faire là prochainement, dans les 2-3 jours, c'est Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1, qui est un auteur de manga, un mangaka hyper connu, Junji Ito, qui est le mangaka spécialisé dans l'horreur. Je pense que c'est celui qui est le plus connu, moi j'avais jamais testé, parce que souvent c'est des albums bah, un peu comme ceci, assez chers, et j'avais jamais... Voilà, je m'étais jamais lancée et là je me suis acheté celui-là, ça me permet de découvrir l'auteur avec, il y a 10 petites histoires en fait, 10 petites histoires illustrées. Et donc c'est un peu comme des nouvelles mais sous forme de manga, et donc je pense que je vais bien plonger dans l'horreur là. J'ai déjà ouvert quelques pages qui sont bien dégueu. Ouais, c'est bien dégueu, voilà. Donc écoutez, ça sera ma première lecture, une des premières lectures en tout cas. Je vais prendre quelques livres avec moi pour mon petit voyage. Et c'est tout. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce vlog vous distraira peut-être un petit peu de l'ambiance morose en ce moment. C'est un petit peu ce que j'aime regarder aussi, des choses qui me distraient. Écoutez, je vais vous laisser parce que je dois faire ma petite valise et je pars dans 1 heure, donc c'est un petit peu honteux. Je vous retrouve un petit peu plus tard avec certainement quelques petits plans du voyage. Je crois que ce sera les premiers plans que vous verrez. Valide valou. Je vous reviens parce que nous sommes le deuxième, non, troisième jour de mon challenge et j'ai lu 2 livres. Je suis vraiment contente parce que là je suis partie 2-3 jours pour profiter, pour prendre l'air. Vous avez vu des petites
des petits extraits d'un peu de nature pour se ressourcer, pour penser à autre chose. Et ça a fait beaucoup de bien. Je savais que j'allais pas forcément lire énormément, à part sur les trajets. Pour le moment, j'ai fait deux découvertes, donc assez particulières. Je viens évidemment vous en parler. J'ai commencé aussi les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et j'ai lu la première nouvelle hier soir avant d'aller dormir, chose à ne pas faire. Hein. Il faut pas lire ça avant d'aller dormir, sauf si vous voulez avoir des petits cauchemars, chose qui est arrivée du coup. J'aime beaucoup la première nouvelle que j'ai découverte. C'était très court, mais je sens que c'est soft une première nouvelle et que la prochaine sera un peu dégueulasse puisque la prochaine en fait c'est une histoire avec un personnage qui a des trous sur la peau et c'est un truc, je crois que je suis trop phobe ou un truc comme ça, je pense qu'il y a un nom hein, mais j'ai pas envie de chercher le nom sur internet parce que si je tape personne qui a peur des trous, et bien je vais avoir plein d'exemples. Donc je pense que cette nouvelle-là, j'espère que ça va aller, je vais pas être un peu nauséeuse en la lisant, passons, mais peut-être que je vais lire un petit peu dans le train, je vais voir, en tout cas, puisque je retourne là dans une heure, au retour à la réalité. Bon, du coup, j'ai commencé dans le train Thérèse d'Esquerou de Mauriac. Alors c'est un livre, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il est dans toutes mes piles à lire de février, chaque année. Ça fait genre 5 ans que je fais des piles à lire de février et qu'à chaque fois je mets des petits livres, parce que je fais toujours le petit livre, petit mois, petite lecture. J'ai lu du coup cette année, enfin, Thérèse d'Esquerou de Mauriac. Alors ce livre nous raconte l'histoire d'une femme, Thérèse d'Esquerou, donc qui est mariée à Bernard d'Esquerou. Au début du livre, en fait, elle vient d'être acquittée pour la tentative de meurtre de son mari. Pendant son retour, son voyage de retour pour revenir chez son mari, chez elle, elle va réfléchir à une sorte de plaidoirie, enfin en tout cas elle va essayer de trouver toutes des explications à dire à son mari pourquoi est-ce qu'elle a essayé de le tuer, essayé de l'empoisonner, et donc elle va parler de tout son passé, de toute son enfance, de son mariage, etc., comment elle l'a ressenti. Et donc on va voir un petit peu un retour dans le passé avec de temps en temps des réflexions du présent. Et ah non, ça, il comprendrait pas, ça, si, ça, enfin, c'est assez particulier au niveau de la structure, je trouve, et forcément, elle va arriver chez son mari, et je vous en dis pas plus. En fait, globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, parce qu'à nouveau, c'est quelque chose de très sombre. Encore une fois, on a une Thérèse qui se pose des questions, qui a des questions très... moderne sur la maternité et comme dans Thérèse de Schnitzler, c'est pas le même contexte ni quoi que ce soit, mais quand même on a aussi des questions sur la maternité. Ici aussi il y a on sent qu'il n'y a pas d'amour pour son enfant, elle est un peu indifférente, elle se demande pourquoi est-ce que certaines personnes s'oublient dans la maternité alors qu'elle, c'est pas ce qu'elle recherche. Et j'ai trouvé vraiment hyper intéressant toute la question de la maternité et je trouve ça fou, c'est que à nouveau une Thérèse se pose des questions alors qu'à nouveau on est sur un texte écrit par un homme et elle a beaucoup de considérations et de pensées qui sont très réaliste, je trouve, et alors que c'est écrit par un homme. Alors je dis pas qu'un homme ne peut pas se mettre à la place d'une femme, mais j'ai trouvé ça très juste, certains passages au sujet de la maternité. Mon avis, c'est que la première partie, j'ai eu du mal à m'accrocher à cette lecture parce que je trouve le style très particulier. Je pense que quand je ferai un point lecture, je ferai des extraits. Parce que oui, effectivement, j'ai eu du mal à rentrer là-dedans, dans ce style. Les formulations de phrases, les constructions, la chronologie, tout ça, c'était un peu compliqué. Et à partir vraiment de la moitié, allez, du premier quart du livre, j'ai vraiment accroché et j'ai beaucoup aimé. Alors on a beaucoup d'empathie pour le personnage qui a tenté de tuer Bernard. Et Bernard, moi je l'ai détesté. Enfin, c'est vraiment un personnage qui m'a fait penser par moments à Gustave dans Le Château des Bois Noirs. Voilà, c'est un peu le même genre de profil, je trouve. Pas tout à fait le même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bienveillance chez Bernard que chez Gustave. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Bien sûr, c'est très court hein, comme récit. Mais bon, c'était le but de lire un récit très court. Et donc ça peut être frustrant sur certains points. Mais du coup, après cette lecture, j'ai très très envie de lire la suite parce que Mauriac a écrit une suite, je sais pas s'il est fort apprécié, mais on a l'histoire du dernier amour de Thérèse, c'est écrit dans le résumé, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Thérèse, c'est un personnage très insaisissable, je trouve. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend chez elle, mais il y a des moments où on comprend pas trop le personnage. Enfin, je dis toujours « on », je vous mets dans le tas, mais en fait c'est moi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai inclus quand je vous dis « ah oui, on comprend rien », non, c'est moi qui, bah, à certains moments, c'est un personnage pas toujours facile à saisir, mais je pense avoir vraiment une idée maintenant de qui est Thérèse, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et c'est vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce livre.
Et en plus de dresser le portrait de Thérèse, je trouve que cette remise en question de ce personnage qui cherche l'explication, qui elle sait, je pense, l'explication, mais qui cherche une manière d'expliquer à son mari, ça nous dresse aussi le personnage du mari. Parce qu'à un moment, elle va nous dire certaines choses du genre ben non, ça il va pas comprendre, et ah non, mais en fait, c'est pas le genre de gars qui se pose des questions, qui se met à la place des autres. Il y a une petite question sur l'empathie, à un moment, il y a un petit paragraphe sur l'empathie que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, il y a vraiment des passages que j'ai particulièrement appréciés. Même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je pense que c'est vraiment un livre qui va me rester. Parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, j'ai découvert un livre, c'est marrant parce que j'ai vu la vidéo de Nabolita sur Tanizaki. Et je me disais, oh, ça me donne super envie, même si c'est un peu lugubre, c'est évidemment des lectures un peu perverses. Un auteur japonais qui est assez connu, qui a écrit une multitude de titres. Et je me disais qu'un jour, je tenterais bien Tanizaki. Je me suis rendu compte que j'en avais un. Donc, de nouveau, on voit à quel point ma bibliothèque est énorme et que je ne sais plus les livres que j'ai et que je n'ai pas. Et donc, en fait, effectivement, j'avais un Tanizaki dans ma bibliothèque. Et c'est Le pont flottant des songes de Junichiro Tanizaki, qui est un auteur japonais. Ici, c'est une histoire, il me semble que ça se passe en Chine. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que dès le début du livre, en fait, il y a beaucoup de passages autour d'une rivière, autour de l'eau, il y a beaucoup de poésie aussi. Et quand on commence avec de la poésie, moi j'aime bien la poésie, mais quand t'es tout de suite là-dedans, ah ouais, ok, donc on n'est pas sur une narration. On n'est pas tout de suite dedans, enfin moi j'étais pas tout de suite dedans, même si l'endroit où j'ai lu ce livre était plutôt propice à l'assimilation de ses poèmes et à l'émotion que je pouvais ressentir éventuellement avec ses poèmes, puisque j'étais effectivement assise sur un banc en face d'une rivière et on parlait d'une rivière, on nous expliquait un petit peu d'où vient cette rivière et tous des poèmes. Franchement, les 20 premières pages, j'ai beaucoup de mal, même si j'étais au bon endroit. Il y a des passages qui m'ont paru très très beaux, mais je me disais, oui, mais moi je veux rentrer dans l'histoire, je veux savoir ce qui va se passer, parce que dans le résumé, on va nous parler d'une relation trouble mêlant amour filial et désir. Et donc j'attendais ce moment, et moi j'ouvre le livre et je vois qu'on a tous des trucs autour de la poésie, qu'on nous explique les temps de l'ermitage au Héron étaient reliés par une canalisation. Oh mon, les gars, quand on commence comme ça, moi ça ne va pas. Il n'y a que Zola qui peut m'intéresser avec des descriptions de cimetières ou de choses comme ça. Mais ici, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Et puis on rentre dans le vif du sujet, on va suivre un personnage qui s'appelle Tadazu. Alors c'est une histoire très très étrange. On va suivre Tadazu donc, qui vit avec son père et sa mère, et on voit tout de suite qu'il a très très peu de souvenirs de sa première mère, de sa mère biologique, puisque très vite son père va se remarier à une autre femme qui ressemble très très fort à sa première mère. Effectivement, c'est un peu flou pour lui, il n'arrive plus à dire si certains souvenirs sont chez sa mère ou si chez cette belle-mère. Et il nous explique un petit peu son enfance et comment il va, son évolution. Effectivement, j'ai retrouvé dans l'analyse de Nabolita, elle a fait une vidéo là-dessus, c'était super intéressant. Elle a parlé du fait que l'auteur parlait énormément des pieds, de la beauté des pieds. Et effectivement, on a un tout petit passage, parce que ce livre n'est pas spécialement le plus connu de l'auteur, mais pourtant, on a des petits passages où on explique la beauté des pieds de la belle-mère. Et effectivement, c'est un livre très troublant qui peut vraiment être écœurant. Enfin, écœurant, je sais pas comment le dire. Ça peut choquer parce que il a une relation très étrange. Déjà, il se souvient de l'allaitement avec sa maman, et enfin il a allaité genre jusqu'à 4 ans, et en gros sa nouvelle belle-mère lui propose de faire pareil, sauf qu'il est un petit peu plus grand, quoi. Voilà, c'est un peu étrange quand même, cette relation maternelle un peu quand même sordide, je trouve, d'une certaine manière. Alors globalement, ça va pas être une lecture extraordinaire, parce que je vous ai dit, j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dedans, parce que l'histoire met beaucoup de temps avant de commencer, et comme c'est un livre de 100 pages, au bout d'un moment, je dois juger le livre globalement, et effectivement, si je mets déjà 30 pages avant de rentrer dedans, ça ne va pas. Et donc c'est vrai que j'ai très envie de lire un autre Tanizaki. Je sais que je suis prévenue maintenant qu'il y aura des choses à mon avis bien plus perverses que ça. C'est très particulier, c'est
C'est dérangeant d'une certaine manière, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le style d'écriture, la manière dont il explique, Tadazu explique son enfance, c'est bien écrit quand même, c'est beau. Je pense que c'est un livre qui se relit pour essayer d'en saisir aussi les symboliques. Alors moi, je ne pense pas être capable de saisir les symboliques, alors déjà la première fois, je ne l'ai pas saisi, la deuxième fois, peut-être, hein, mais j'ai pas forcément envie d'aller essayer de chercher les symboliques dans ce livre, mais c'est particulier, hein. Comme lecture, je vous dis tout de suite, c'est assez dérangeant. Je pense que les petits points dont je vous ai parlé vous mettent un peu la puce à l'oreille. C'est très étrange, cette histoire de belle-mère et de fils. Et tout ce qui est arrangé, tout ce qui est choisi, enfin, les choix du père sont très très étranges. Voilà, ça c'est une lecture très particulière. Et voilà, ça fait donc deux livres pour les 3 jours. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais prendre la route et me lire autre chose. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, je viens vous parler de certaines petites choses. J'espère que le douchant de ma machine à laver ne s'en trempe pas trop, mais j'avoue que si je dois choisir un moment où il n'y a pas aucune machine qui fonctionne, aucun instrument de musique, ça devient compliqué en fait, hein, vraiment. Alors, j'ai terminé un livre, je viens vous en parler. Je sais pas si je vous ai fait des plans pour vous montrer que je le lisais, mais en tout cas, j'ai terminé La fille de la supérette de Sayaka Murata. C'est un livre très piquant, qui je trouve est plutôt une satire sociale. Dans ce livre, on va suivre Keiko, qui a 36 ans, qui est célibataire, qui vit donc au Japon. Je pense que ça se passe à Tokyo. En fait, j'en sais rien, c'est pas marqué dans le résumé, je me souviens plus. En tout cas, c'est une jeune femme qui travaille dans un konbini, qui est une sorte de petit supermarché. Toute sa vie est rythmée autour du konbini. Elle trouve son plaisir, on va dire, dans ce travail. C'est une fille un peu étrange qui ne rentre pas dans les cases, qui n'est pas conforme à ce que veut la société. Très jeune, on voit déjà que elle a certaines réactions qui ne sont pas les mêmes que celles des autres. Et du coup, elle va se créer une sorte de personnalité en empruntant des idées d'autres personnes. Sa sœur va beaucoup l'aider à réagir pour ne pas choquer les gens. Pour être donc conforme à la société, elle va emprunter des goûts, elle va emprunter des manières de parler, elle va emprunter plein de choses à d'autres gens. Et elle va décider donc de travailler dans un konbini qui est un petit supermarché japonais, style supermarché. Et elle s'y plaît plutôt bien. Elle va essayer de toujours emprunter les mêmes formulations. Elle va devenir limite une machine. Elle va devenir une pièce du rouage de cette boîte. Elle va devenir vraiment un pion dans ce konbini. Elle adopte les manières de parler de ses collègues. Du coup, au fur et à mesure des années, bah, elle change un petit peu forcément puisque les collègues changent. Et là, ça fait, je crois, 18 ans qu'elle travaille dans ce konbini. Elle se plaît plutôt bien. Et un jour, elle va rencontrer un collègue insupportable qui n'arrête pas de râler, un nouveau collègue. Et la confrontation des deux personnages va être vraiment intéressante. C'est une femme qui subit tous les jours la question: quand est-ce que tu auras des enfants? Quand est-ce que tu vas te marier? Et au Japon, visiblement, je vais pas trop m'avancer sur la culture japonaise, mais d'après ce que j'ai pu lire dans des romans, visiblement c'est très mal vu à partir d'un certain âge, quand tu es une femme, de ne pas être mariée. Tu es considérée déjà fin de vingtaine, début de trentaine, comme une vieille fille si tu n'es pas mariée. Et donc en gros, tu es moins bien considérée quand tu ne fais pas d'enfants. Enfin, vraiment, c'est assez violent, hein, la charge qu'il y a sur les femmes et sur les hommes aussi d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la femme. Une satire peut-être aussi qui va parler justement de conformisme et d'anticonformisme. Je comprends qu'il ait eu du succès parce que c'est vraiment bien fait, avec humour, et un personnage assez exécrable qu'on rencontre dans le livre, mais c'est bien fait, je trouve. J'arrive pas à bien en parler de ce livre. Alors, j'ai aussi un petit peu avancé dans ma lecture de Les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Alors moi, je suis un peu trop phobe, hein. Il y a un mot pour ça, mais je vous ai dit, hein, si je cherche le mot, je vais tomber dessus sur Google et j'ai vraiment pas envie. Et bah, la couverture, du coup, je sais pas trop la regarder. Elle est jolie, mais il y a des trucs. Donc, ce que je fais pour le lire, en fait, j'enlève la jaquette et c'est mieux. Ça va mieux, tout d'un coup. Alors, j'ai lu 3 des nouvelles, parce que moi j'appelle ça des nouvelles, parce que ce sont des histoires vraiment très courtes. J'en ai lu 3. La première. Mais je peux pas trop résumer non plus, puisque c'est vraiment un. Ça va très vite, hein. C'est des petites nouvelles. La première, c'est une jeune fille qui écoute un disque. Et elle écoute un disque chez une copine et elle est très intriguée par ce disque, elle veut l'emprunter, sauf que la copine refuse. Elle est pas sympa d'ailleurs, elle dit: bah non, t'as qu'à l'acheter toi-même. Et elle va lui voler
Le disque, je vous dis pas ce qui se passe, mais ça dégénère un petit peu. Le deuxième, c'est ça, c'est très glauque si vous aimez pas les trous. C'est un personnage qui a des trous sur la peau et c'est très très glauque, je trouve celui-là. Et alors, le troisième, c'est assez marrant, c'est un jeune homme qui travaille dans le métier du cinéma, il me semble, et qui va chercher, qui feuillette un magazine avec des mannequins, et tout d'un coup, il tombe sur un mannequin qui a une tête hyper effrayante. Et du coup, il en fait des cauchemars, il a vraiment peur. Et un jour, il doit créer, justement pour ses études, il va créer un film. Et il va passer un casting. Et parmi ce casting, il y aura cette femme effrayante. C'est... Voilà, je vais essayer de pas trop résumer les autres parce que je trouve ça va très très vite. Il y a quelques pages par histoire. Ça va très vite, du coup. Ça passe, du coup, très vite dans l'horreur. Et ça s'arrête aussi très brusquement. Donc il y a un côté un petit peu frustrant. Ça s'arrête en général toujours de manière un peu choquante et surprenante. Mais j'aime bien pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, je passe un bon moment avec cette lecture. Je sais pas ce que vont donner les autres nouvelles. Il y en a encore 7. Je vais lire ça petit à petit comme lecture pour ce 14 livres, 14 jours. Et alors, j'ai commencé, puisque là, j'ai lu 3 livres. On est le 5e jour, je pense, hein, déjà. Ouf, 3, 4, 5. Oui, j'ai commencé. On est le 5e jour, j'en ai eu que 3. J'ai pas eu le temps de lire là dernièrement, mais j'ai commencé. Je suis à la page 20. De Ma Belle de Camille Ansaume. Alors c'est très étrange pour le moment. J'aime bien le ton, j'aime bien l'histoire, enfin ce que j'en sais pour le moment. C'est juste que j'espère que ça va me plaire. Parce qu'il y a des petites choses qui me chipotent un petit peu dans la lecture. Donc on va suivre l'histoire d'une femme. C'est une belle-mère en gros. C'est l'histoire d'une femme qui va rentrer dans une famille avec, je sais pas si sa femme est morte, la femme de son nouveau mari est morte, ou s'ils sont séparés. Et elle va avoir beaucoup de mal avec sa belle-fille. Donc elle va rencontrer sa belle-fille et évidemment ça va très mal se passer. Et en fait, ici on est au tout début et notre héroïne c'est la belle-mère en question. Et elle nous parle de la rencontre de son mari avec sa première femme déjà. Donc c'est un peu étrange je trouve. Et on nous parle de la beauté de la fille, la beauté de la femme, je trouve ça un peu étrange, c'est écrit sous forme un petit peu de conte, donc je pense que ça va être une réécriture du conte de Blanche-Neige. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que là on parle beaucoup du physique des personnages, du côté beauté, qui ne me parle pas tellement. Moi j'attends quelque chose d'un peu plus profond au niveau des personnages, mais je suis qu'à la page 20 Isabelle, donc je ne vais pas trop m'avancer. Je vais vous laisser, je pense. Hein. Moi, je vais essayer d'avancer dans mes lectures, avancer un peu dans ce challenge. Bon, là, c'est 2 jours-ci, j'aurai presque pas le temps de lire. Ça va être un petit peu la course, mais ce week-end, j'aurai de nouveau le temps de lire. Donc ça, c'est cool. Un petit peu plus tard, je ne suis pas chez moi, je profite encore de 2 jours avant de reprendre en pleine forme, je ne sais pas, mais en tout cas de reprendre plusieurs semaines de travail assez acharnées, hein, parce que ce seront des semaines assez, assez complètes, qui me stressent un petit peu, mais bon, c'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Écoutez, je viens de vous parler d'une lecture, puisque je suis toujours dans mon challenge. Pour le moment, je suis en train d'échouer lamentablement. Je crois que nous sommes au 7e jour et j'ai lu 4 livres. Enfin, en fait, non, c'est déjà pas mal parce que j'ai lu des romans, même des petits romans, mais j'ai pas encore lu de graphique.
graphique, c'est vrai. Pas encore terminé le graphique, c'est vrai. Donc non, j'échoue pas, il y a moyen, je réussisse, mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est de prendre mon pied, de lire un maximum, et si j'ai pas le temps, bah tant pis, hein. Mais en tout cas, je suis super contente parce que là, je viens de terminer un roman et c'est marrant parce que je vous montre un petit peu, c'est Ma Belle de Camille Ansaume, publié chez Calman Levy. Quand je vous en avais parlé, quand je l'avais reçu, je vous disais, tiens, c'est un livre qui, je pensais que ça allait être un roman un peu plus noir et que pour finir, on allait sur quelque chose d'un peu plus sur le ton humoristique. En fait, je me suis quand même trompée dans ma description du roman, de toute façon, je l'avais pas encore commencé quand je vous en avais parlé. Depuis, j'avais commencé, je vous en ai parlé au début du vlog, et je vous disais que j'accrochais bien, puisque j'avais lu genre 20 pages. Et puis, je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais j'ai eu un moment dans ce livre, un gros blocage. J'ai cru un moment que j'allais devoir l'arrêter parce que j'ai commencé à détester les personnages et la manière dont on parlait des personnages. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais hier, j'étais dans les transports, je continue ma lecture et je me rends compte que je me dis mais je ne supporte pas ces personnages. C'était même un peu épidermique quoi, je me disais mais je ne peux pas lire ce livre, ça m'énerve. Ces personnages m'énervent, j'ai plus envie de le lire. Et je me suis dit oui mais Isabelle, t'es à la page 40, ça va pas. Je trouve quand même, si j'abandonne un livre, alors oui bien sûr, je laisse souvent des livres de côté mais pour les reprendre après. Mais dans ce cas-ci, en plus il s'agit d'un service presse et si je dois vraiment parler d'un service presse que j'abandonne, j'aimerais le faire quand même après au moins 100 page, avoir lu quand même la moitié pour vous donner quand même des arguments, surtout quand il s'agit d'un service presse. C'est vrai que quand je suis dans un service presse, je fais un petit peu plus un effort pour avoir quand même la... Alors, je sais pas, j'ai quand même reçu le livre, voilà, qui était dans la sélection Calman Levy, il me tentait beaucoup, et si je l'abandonne, je trouve qu'il faudrait quand même que j'ai un argument très clair, et pas juste les personnages me font chier, c'était vraiment ça. Tout à l'heure, assez distraitement, je me suis dit, oh, je vais relire encore quelques pages, et on verra. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai lu quelques pages et je ne me suis plus arrêtée, je l'ai terminé. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du roman, non, je vais un peu vous dire comment c'est construit plutôt, on va suivre une femme, Louise, qui est une belle-mère. Et donc c'est une femme qui a épousé un homme qui avait déjà une fille. Cet homme s'est séparé de sa femme et donc elle, tout le livre est écrit en tu, c'est la belle-mère qui s'adresse à sa belle-fille. Et c'est donc assez original parce qu'elle va nous expliquer non seulement sa rencontre avec le monsieur, mais aussi la relation de cet homme avec son ex-femme. Et donc c'est assez particulier parce qu'elle n'est pas censée savoir tout ça. Mais elle l'explique, voilà, comme si elle le voyait d'un regard assez lointain, bah voilà, il s'est passé ça. Et en fait, tout ce que j'ai détesté, c'était la partie du couple de cet homme avec Irène, l'ex-femme. Alors on sait bien que ça se finit, donc c'est aussi pour ça ce qui m'a fait continuer, c'est qu'on savait que c'était l'ex-femme, donc on savait bien que ça allait finir, mais je sais pas pourquoi j'ai détesté la manière dont ces personnages étaient présentés, même s'il y avait un petit ton de l'humour, quand même, je ne supportais pas ce personnage féminin qui s'appelait Irène, où on ne parlait que de beauté, toujours de beauté extérieure, et ça m'agaçait. Et même quand on parlait de la belle-fille, c'était toujours parler de son apparence. Et ça m'énervait, vraiment. Et le mari aussi, je le trouvais tellement fade et tellement... Ah, franchement, je détestais ce personnage. Et à partir du moment où la belle-mère, et ça arrive assez vite, hein, rentre dans le décor, ça devient très différent parce que, bon, c'est toujours écrit de la même manière, mais on a son point de vue à elle. Elle arrive dans ce décor et c'est compliqué. Elle doit jongler entre son rôle de femme, son rôle de petite amie, son rôle de belle-mère. C'est très compliqué pour elle et c'est la première fois que je lis un livre qui aborde une relation, une famille recomposée, mais du point de vue d'une belle-mère. Et j'ai en fait vraiment trouvé ça très touchant. Un très joli point de vue parce que ça questionne beaucoup de choses et l'évolution du livre est vraiment très bien. Si vous êtes un peu agacé, vous êtes à la page 50, vous êtes un peu agacé par ce personnage, par toutes ses pensées, par sa jalousie aussi par moments qui est quand même assez présente, continuez. Parce que, en fait, ce livre, toutes les choses qui m'ont dérangée chez les personnages sont remises en question au fur et à mesure du livre. Et je pense pas vous spoiler en disant ça, ce livre a quand même un caractère très féministe, très engagé.
que j'ai trouvé génial. Franchement, j'ai jamais été autant partagée dans mon avis avec un seul livre. Donc je le commence, je trouve ça chouette, bah, je trouve pas ça extraordinaire non plus. Ensuite, j'ai une réaction épidermique, je n'en peux plus de ces personnages que je n'ai vu que 20 pages. Et puis je commence à m'attacher à ce personnage principal qui est là en tant que belle-mère, sa souffrance de voir que qu'en fait l'homme il ne fait rien dans cette situation pour aider. Et c'est écrit sous forme de réécriture de Blanche-Neige. Et j'adore les réécritures de contes, au début je me disais qu'est-ce que ça va être. Et en fait ça devient, même si c'est sur un ton un peu humoristique, ça devient très sérieux comme lecture parce qu'on pose des vraies questions avec des vrais problèmes. On a ce mal-être, on voit que cette belle-fille ne va pas bien parce qu'elle a une nouvelle belle-maman, parce que son père et sa mère sont séparés. Et on voit qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose qui se cache derrière sa souffrance. J'ai trouvé ça très très touchant. Tout ce qui m'avait dérangé autour de l'analyse du corps, du bazar, du truc, au début, tout ce qui était au côté superficiel, en fait, c'est remis en question dans la lecture. Je trouve ça important de le dire. Et franchement, je le dis, je le résume, j'ai vraiment adoré cette lecture. Et c'était vraiment, vraiment tellement intéressant de parler de cette hypersexualisation des enfants. C'est très actuel aussi parce qu'on est avec une jeune fille qui va très vite aller sur TikTok alors qu'elle a 10-11 ans. Et comme elle est très belle, évidemment, ça va super bien fonctionner. Elle va adorer le fait d'être adorée par les autres, vénérée par les autres, et à un moment il y a un tournant, il se passe quelque chose et elle va se mettre à détester sa propre beauté justement et se poser des questions. J'ai adoré l'humanité de ce livre, l'évolution. Alors il y a des passages qui peuvent paraître un petit peu gnangnan sur la fin, mais c'est pas grave. Moi j'ai été bouleversée par cette évolution de la relation entre la belle-mère et la belle-fille. J'ai adoré le fait que notre héroïne passe outre tous ses préjugés sur sa belle-fille et sur même sa rivale, on va dire, hein, l'ex-femme, parce que elle met de côté tous ses préjugés en pensant justement au fait que en fait elles sont toutes des femmes et qu'elles ont toutes le même combat. Ce livre a l'air, effectivement, on le commence, ça a l'air un petit peu superficiel justement, un petit peu léger, un petit peu feel good, mais non. Non, il aborde des thèmes bien plus profonds que ce qu'on croit, et je trouve ça important de vous le dire parce que je trouve que c'était très 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 bien fait. J'étais très très touchée par la bienveillance de notre héroïne. Alors oui, elle se pose beaucoup de questions qui moi ne m'ont pas touchée au sujet de l'apparence physique, mais c'est pas grave parce que je l'ai trouvée très humaine dans son inconfort, dans ses tentatives de prendre une place qu'elle n'a pas, de son sentiment d'injustice, d'être tout le temps incomprise et d'être tout le temps effacée. Elle fait du mieux qu'elle peut et elle se remet en question. Et ça, c'est tellement important, les personnages qui font ça. Je pourrais encore en parler longtemps, je pense, mais franchement, ça a été une très belle découverte. Voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce qu'en fait, je dois parler de 14 livres dans cette vidéo. Et donc, ça risque de durer longtemps si je fais des considérations à chaque fois pendant des heures. Voilà, je crois que j'ai pris un coup de soleil. Sérieusement, au mois de mars. Même beaucoup plus tard, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je viens de filmer un book haul qui, j'espère, sera sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo.
J'ai beaucoup, j'ai lu des livres, j'ai avancé donc dans mes lectures, j'ai reçu deux petits colis que j'ai envie de vous montrer et voilà, j'ai fait mon thé et j'espère qu'il est encore chaud. C'est pas mal. Alors, je viens vous parler. Donc la dernière fois, je vous disais que j'avais lu Ma Belle, je crois que c'était ça le titre. Entre-temps. J'ai lu deux tomes de Kazané, puisque je vous en avais parlé il y a un moment. J'avais lu Kazané il y a des années. Oh là là, ça sent bien! Et j'avais envie de continuer cette saga. Et comme souvent, je commence les mangas, j'achète les tomes suivants, mais je ne les lis pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu le tome 1. Et là, je me suis replongée dans les tomes 3. Je me suis plongée, du coup, j'ai découvert les tomes 3 et 4. Non, 2 et 3, peu importe. Kazané, ça va nous parler d'un personnage qui est défigurée. Il me semble qu'elle est défigurée. Elle est née avec une malformation sur son visage et sa vie d'adolescente est vraiment très dure. Elle se fait harceler. Enfin, c'est vraiment très très dur. Et elle sait que sa mère a eu un succès incroyable en tant qu'actrice. Sa mère était super connue. Elle était surtout très très belle. Et elle avait envie, évidemment. Elle a une passion pour le théâtre et elle a envie de faire du théâtre, mais elle ne peut pas, puisque dès qu'elle va sur scène, les gens la huent. Voilà, c'est vraiment triste, hein, l'histoire de ce personnage. Et un jour, elle va découvrir qu'en fait, sa mère avait un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui permettait de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc, si elle met ce rouge à lèvres et qu'elle embrasse quelqu'un qu'elle trouve par exemple très beau, dont elle a envie de prendre l'apparence, eh bien, elle prend l'apparence pendant un certain temps. Et donc, c'est quelque chose qu'elle doit faire assez régulièrement. Donc, c'est pas pour toujours. Et donc, dans ce premier tome, on découvrait la manière dont ce pouvoir était utilisé, comment ça se passait. Et voilà, et du coup, elle utilisait le pouvoir et elle pouvait monter sur scène. Et j'ai lu les tomes 2 et 3 et je vous avoue que je pense que je ne lirai pas la suite. Enfin, je n'en suis pas sûre en tout cas parce que je trouve qu'il y a une forme de redondance, c'est un petit peu toujours la même chose, toujours prendre l'apparence de l'un, de l'autre, elle se pose des questions, elle a des scrupules parce que c'est pas quelqu'un, bah, comme elle a vécu des choses horribles, je pense qu'elle a accumulé beaucoup de frustration et en plus c'est pas quelqu'un d'hyper bienveillant donc forcément il se passe des choses un peu terribles. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine redondance, alors peut-être que la suite sera mieux, mais j'en avais un petit peu marre en fait, alors que je n'ai lu que 3 tomes. Il y a un personnage qui apparaît dans le tome 2 ou dans le tome 3, je ne sais plus, fin du tome 2, un personnage qui apparaît, un personnage féminin, il va y avoir un accord entre les deux personnages, c'est assez intéressant, mais je vous avoue que j'ai vraiment décroché de cette histoire. Pourtant j'aimais beaucoup hein, Kazané, mais là je sais pas, je ne m'y retrouvais pas dans cette lecture. Sinon, j'ai lu Un paradis de Kang Shei, c'est un non, de Cheng Kei, pardon, excusez-moi, c'est une autrice japonaise. C'est un livre qui va parler du paradis, qui est une clinique illégale pour les mères porteuses. Et on va pas parler que de mères porteuses, on va parler aussi bah, de scènes de viol, de scènes assez terribles. Il y a notamment gros warning. Et là, je suis bien contente d'avoir lu tout le livre parce que j'ai failli abandonner. Je vous explique après pourquoi. Gros warning, il y a une scène avec un animal, voilà, que je n'ai pas aimé forcément. Donc si vous êtes un peu sensible, peut-être ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est un livre en fait qui est raconté du point de vue d'un personnage qui vient d'arriver en tant que mère porteuse dans cette sorte d'hôpital, enfin c'est pas vraiment un hôpital, oui c'est un hôpital. Bon, ce personnage arrive, c'est ce personnage qui raconte, et en fait on sait que ce personnage, c'est un personnage qui ne parle pas, elle va écouter plutôt les conversations des autres, et en fait du coup c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas vraiment, oui on a parfois son point de vue, mais c'est beaucoup de le discours d'autres personnages, de dialogue, des moments qu'elle va surprendre entre différents personnages, oui c'est ça, des conversations qu'elle va surprendre, et j'ai pas du tout accroché à cette lecture. Franchement, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout parce que justement, je peux me permettre de vous faire un warning pour une scène assez, alors c'est pas hyper décrit, mais on a quand même le résultat de cette scène qui est vraiment pas chouette, qui moi m'a vraiment dégoûtée, mais j'ai vraiment pas apprécié cette lecture. On nous dit que c'est un roman féministe, univers carcéral punitif, violence masculine. J'ai vraiment pas accroché au style.
J'ai vraiment pas aimé en fait cette lecture. Ça aurait pu, s'ils avaient été racontés autrement, ça aurait pu être génial. Ça aurait pu être hyper marquant. Mais là, j'ai pas du tout aimé. Donc également déception. Voilà. Et par contre, une grosse bonne découverte, c'est ce recueil, on va dire recueil de nouvelles, d'histoire de Junji Ito. Je suis hyper heureuse d'avoir lu ce livre. Je l'ai lu sur plusieurs jours. J'ai adoré, il y a des histoires absolument dégoûtantes, je vous en parle également dans un book haul. L'histoire, l'épidémie, l'avant-dernière est dégueulasse, mais immonde, dégueulasse. Je sais pas, je vais pas vous donner enfin, des indications, mais c'est vraiment une histoire avec des pustules, et rien que de le lire, du coup, j'ai plus envie de boire mon thé. Vraiment dégueulasse. Oui, effectivement, la deuxième nouvelle, celle avec les trous dans la peau, pareil, j'ai eu un peu du mal. Mais franchement, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment des histoires bien perchées. On est vraiment sur des univers, beaucoup d'imagination de la part de l'auteur, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il veut pas trop en faire, à part dans l'épidémie, je trouve qu'il en fait un peu trop, mais j'ai l'impression qu'il veut pas trop en faire, qu'il y a quand même enfin, oui, une histoire intéressante. Si c'est vraiment chouette, l'histoire avec la mannequin était vraiment bien. Les pantins, oh mon Dieu, avec... oui, c'est ça, les pantins. C'est assez fou. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé et je... Volontiers. Alors, je vais peut-être pas le faire au mois de mars parce que bon, c'est quand même 20 euros le recueil, mais peut-être qu'au mois d'avril, j'achèterai le tome 2, puisqu'il y a un deuxième tome que j'ai hâte de découvrir. Donc, ça, très très bonne découverte. Alors, j'ai découvert également la première nouvelle qu'il y a dans La Compagnie des Loups d'Angela Carter. C'est un livre que je vais découper jusqu'à la fin de ce challenge. Puisque là, j'ai lu 8 livres et nous sommes le... Je ne sais plus... nous sommes le 9, 10, 11... Nous sommes le 11e jour. Ouh, ouh. Jeudi, vendredi, samedi... Ouais, non, il me reste 4-5 jours. Et donc, bah, sur les derniers jours, je vais découper cette lecture parce que c'est pas un truc qui se dévore. Angela Carter, c'est une autrice que j'avais très très envie de découvrir depuis longtemps. J'avais envie de la découvrir en VO et je me suis rendu compte que peut-être que le style serait trop poussé pour moi. Parce que je comprends l'anglais, mais si c'est trop poussé, j'ai envie d'apprécier aussi ma lecture et j'ai pas envie de comprendre un mot sur trois. J'ai envie d'apprécier le travail de langage, le travail esthétique aussi du récit et pas juste comprendre. Encore faut-il que je comprenne, donc je suis contente d'avoir lu vraiment une traduction qui est très très bien faite. Donc La Compagnie des Loups, j'ai lu donc La Chambre Sanglante, Le Cabinet Sanglant que j'ai adoré. Alors c'est pas du tout dans le cadre de cette challenge, je sais pas si c'était forcément une bonne idée parce que ça se lit. Je trouve que c'est vraiment une écriture qui se déguste, c'est superbement écrit. Le style est très travaillé, donc je parle ici vraiment de la traduction, c'est très travaillé, c'est... Oh, c'est très sensuel, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Peut-être que je vous lirai des extraits quand je ferai un point lecture. Mais c'est vraiment. Il y a des passages assez érotiques. Un mélange entre un langage très compréhensible et quelque chose de très poétique, mais toujours avec une petite touche de lugubre. J'aime beaucoup ce que je lis. Et donc, on a plein de réécritures de contes par la suite. Et franchement, j'ai hâte de le terminer, enfin, de découvrir la suite. Alors, je ne sais pas si je le terminerai pour mon challenge, parce qu'en soi, j'ai envie de profiter vraiment de cette lecture. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler. Je vais pas vous en dire grand-chose parce que je ne suis pas très loin, je suis à la page 22 et il y a toute une préface que je n'ai pas encore lue, que je lirai par après. Parce que les préfaces, vous savez, souvent ça spoil le livre. Du coup, bah, j'aime bien ma lecture pour le moment, mais je peux pas encore trop vous en parler, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je viens juste ouvrir deux petites choses. J'ai reçu notamment un marque-page de Léa, de la boutique Léa Book Addict. Je pense que je ne l'avais pas ouvert le premier, je l'avais fait sans chemette de mon côté, et j'ai fait une photo Instagram par contre, mais c'est vrai que je ne l'avais pas ouvert en vlog. Et bah, du coup, je vais vous ouvrir la seconde. Qui est, je pense, lié au Mars au féminin, que je ne fais pas, mais ceci dit, je lis c'est mon deuxième livre un peu engagé féministe que je lis, donc allez, on va dire que ça rend plus ou moins. Oh, chouette, j'aime bien. Girl Power, et du coup, c'est des deux côtés, vraiment, c'est pour Mars au féminin, il est chouette, j'aime bien. Ben voilà, donc Léa, elle a une boutique en ligne où elle vend
Du coup, c'est marque-page avec pas mal de thématiques différentes. Vous l'avez certainement déjà vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Et alors, je vais ouvrir le livre, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ce que c'est. Soit c'est Tornada, soit c'est Noir d'Absinthe. Aucun des deux. Qu'est-ce que c'est donc? Ah oui. Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, je reçois les mails de Kiwi Édition. Non, c'est pas là, c'est dans la chambre. De Kiwi Édition, ils ont les éditions Kiwi et il y a aussi une autre collection. Et ils ont des titres assez originaux. Alors j'en ai accepté certains. J'en avais lu Né par hasard dans un monde qui s'en fout, je vous en avais déjà parlé. Et dans leur prochaine sortie, il y avait deux titres qui me tentaient beaucoup. C'est notamment Les longs silences de latin de Virginie Hendrix, publié chez Kiwi Roman, qui va nous parler, bah, je pense que c'est assez clair, d'une grossesse. Ça sort le 9 mars, justement, donc aujourd'hui. Donc on va parler du thème de la maternité. C'est un roman choral saisissant sur les différentes réalités de la maternité à l'occasion de la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on parle de différents types de maternité dans un récit, c'est vraiment intéressant. Ah, c'est une bookstagrammeuse qui a écrit ça? L'échappée livresque. Ok. Ah, je savais pas du tout. J'avais même pas tilté ça dans la présentation, je ne sais plus parler. J'avais pas tilté dans la présentation, c'était une boostagrammeuse. L'échappée livresque, je pense que même que je la suis. Il me semble, ben oui. Oh, c'est marrant ça, je ne savais pas. Écoutez, je suis super contente de découvrir ce livre. J'ai vraiment hâte de le lire. En plus, il n'est pas très long, je pense que ça va être vraiment une belle histoire. Et hyper intéressant d'avoir plusieurs témoignages autour de la maternité. Écoutez, je vais vous laisser là parce que je dois vivre un petit peu ma petite vie. Je vous retrouverai certainement plus tard pour vous parler de la suite de mes lectures et je n'ai plus rien à dire en fait. C'est très intéressant. Aujourd'hui pour le dernier jour du vlog, puisque je viens doucement le clôturer, enfin même doucement, je ne sais pas si c'est doucement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je dois vous parler de mes lectures, tout ce que j'ai commencé, tout ce que j'ai terminé, et également vous parler des acquisitions, des dernières acquisitions livresques. Donc je vais essayer de pas trop traîner parce que j'ai déjà vu qu'il y avait 1h06 de rush pour les plans précédents, donc sans les plans, vous savez, un peu visuels là. Alors, la dernière fois, je vous laissais avec Arthur Schnitzler,
Alors en fond sonore, vous entendez mon compagnon qui travaille sa flûte. Voilà. Je ne sais pas, trouver un moment de silence à 100%, soit il y a des travaux, soit il y a une machine, soit il y a un instrument de musique. Je me dis que le plus sympa, c'est quand même l'instrument de musique. J'espère juste que ça va pas me causer des droits d'auteur, même si je ne sais pas si YouTube reconnaît quand c'est un travail sur un morceau ou quand c'est un morceau. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Tout ça pour vous dire, si vous entendez de la flûte, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. J'ai terminé Mademoiselle Else d'Arthur Schnitzler. Je pense que je vous laissais là la dernière fois, je vous disais que j'avais commencé. Donc en effet, au niveau des résumés, on raconte l'histoire de cette jeune femme. Alors on est vraiment dans les pensées de cette jeune femme. C'est un récit intérieur qui va nous partager toutes les pensées de Else, qui est une jeune fille de 18-19 ans, qui vient d'une famille aisée, qui a des activités de fille aisée, donc elle va régulièrement au tennis, elle fait ses activités. Ça, c'est écrit dans les années 20 et je pense que, enfin c'est publié dans les années 20 en tout cas, et je pense que ça se passe aussi dans les années 20. C'est un livre qui va nous parler un petit peu de cette jeunesse, de tout ce qu'elle fait, de ses préoccupations. Donc on est vraiment dans ses pensées, donc ses pensées très changeantes. Donc elle pense à un truc, puis ah non, ça lui fait penser à autre chose, comme le sont les pensées, et pas plus particulièrement comme le sont les pensées d'une jeune ado très exacerbée par moments, où tout d'un coup, oh, mais je vais me tuer, très très vite, elle dit ce genre de choses. Voilà, et puis elle passe à autre chose, enfin, vous voyez, c'est assez marrant. C'est bien fait, c'est plutôt bien fait, même si je trouve qu'elle a plus un comportement d'une jeune fille de 15-16 ans plutôt qu'une fille de 18-19 ans. Et elle parle de ses amourettes, des gars qu'elle aime bien, enfin voilà, c'est un discours intérieur, donc forcément elle s'exprime à personne, elle parle avec elle-même quoi, et c'est chouette. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, elle reçoit une lettre, elle reçoit, il me semble, même un télégramme de sa famille qui lui dit « Attention, il y a des problèmes d'argent puisque son père, je pense qu'il a des dettes de jeu, je sais plus exactement ce que c'est. Il travaille dans la justice, je pense qu'il est juge ou avocat et il est quand même assez connu, mais malgré le fait que ce soit des gens quand même assez aisés, il a contracté des dettes et donc la mère demande de l'aide absolument à cette jeune fille parce qu'elle sait que dans le palace où elle loge, il y a régulièrement un monsieur assez riche, qui s'appelle Mr. Dorsey. C'est un ancien ami de la famille, donc c'est un monsieur assez âgé, hein, et il lui demande en gros d'aller lui parler, d'aller lui demander, lui demander de l'argent, quoi. Et donc, évidemment, elle va s'adresser à ce monsieur, et on comprend assez vite que ce monsieur lui propose quelque chose d'assez particulier, et donc ça va vraiment être toutes les pensées de cette jeune fille face à cette situation, comment est-ce qu'elle réagit, toutes les choses qu'elle se dit, ah je vais faire ça, ah non je vais faire ça, c'est assez fouillis parce qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'informations, de changements, ah non je vais faire ça, puis elle fait des plans, enfin c'est un peu difficile de parler de ce livre parce qu'il est très court et du coup j'ai pas non plus envie de vous spoiler, la fin est assez magique pour le coup. Mais je trouve pas que c'est un livre que je vais retenir longtemps. Il y a des questionnements vraiment intéressants. Elle a les pensées quand même assez modernes, je trouve, pour l'époque. Il y a pas mal de questionnements autour du fait de vendre son corps, qu'au final, quand tu épouses quelqu'un de riche, c'est pareil que de vendre ton corps. Enfin, c'est se vendre, en fait, d'une certaine manière. Et oui, il y avait des réflexions intéressantes, il y avait aussi le côté psychologique de ce personnage qui perd un peu pied au fur et à mesure de l'histoire. Et oui, c'était intéressant, mais je vous avoue que j'ai trouvé cette héroïne tellement tellement sotte, en fait, et tellement... Je ne me suis pas très attachée à elle, donc j'ai un peu du mal à vous en parler. Je pense que ça m'a manqué vraiment. Je ne me suis pas attachée, moi, à ce personnage, même si le récit est intéressant. Mais moi, j'ai vraiment préféré Thérèse, qui était vraiment, je trouve, un personnage beaucoup plus profond. Mais bon, on passait plus de temps aussi à parler de Thérèse. Ensuite, j'ai lu enfin un livre qui m'a été prêté par mon amie Céline. Alors, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis très très longtemps. J'avais envie de me l'offrir. Et en fait, là... elle l'a reçu et bon, je lui ai emprunté. C'est Le Jardin de Gaëlle Genhiller. Alors, il y a un tout petit coup là, j'espère que c'est pas moi qui l'ai fait. Oh. Dans Le Jardin, on rentre dans le monde de la nuit, dans le monde d'un cabaret. On va suivre un personnage, Rose, qui est un jeune garçon qui a été élevé par sa maman, qui est donc la créatrice, celle qui a vraiment fait évoluer ce cabaret, Le Jardin. Ce jardin, en fait, on parle presque pas du mot cabaret, on dit plutôt le jardin. C'est un lieu qui a l'air assez intime, avec des danses
très sensuel. Je pense même qu'il y a des effeuillages. Enfin voilà, c'est du spectacle. C'est extrêmement extrêmement beau et ça se voit tout de suite sur le dessin. Et on suit le destin de ce jeune Rose qui adore danser. C'est sa véritable passion. Ces spectacles ont beaucoup de succès. Et justement, c'est ce qui va un peu le dérouter. C'est justement le trop grand succès de ce spectacle. Il a un peu du mal, il a peur de perdre un petit peu son identité. C'est un livre qui est fait avec énormément de poésie et beaucoup de douceur et de bienveillance, beaucoup de respect des personnages les uns pour les autres. Ça fait vraiment du bien. Un livre si positif, si cocooning, vraiment le mot cocooning correspond parfaitement. C'est si tu as envie de rencontrer ces personnages, tu as envie d'aller au jardin, de leur parler, de voir Rose danser. C'était magnifique comme histoire. Je pense que je vous ferai un petit point lecture. J'ai une petite idée de vidéo là qui vient de germer. Et je pense que je peux mettre le jardin dans cette vidéo. Donc je pense que je vous en parlerai beaucoup plus longtemps là-dessus. Mais j'ai adoré cette lecture. C'est vraiment. On est près d'un coup de cœur avec ces dessins magnifiques, ces personnages d'une grande gentillesse, avec tellement de bienveillance. Il y a aucun personnage malveillant dans cette lecture et ça fait du bien. Et ensuite, j'abrège un peu parce que je sais que cette vidéo est très très longue et j'ai pas encore parlé de tous les livres. Donc voilà, il y a encore du taf. Alors j'ai lu Police Lunaire de Tom Gold, publié chez... C'est 404 édition, non, c'est 2024, édition 2024, j'avais déjà lu plusieurs livres de chez eux. C'est un livre qui a été prêté par nos amis et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que je vous ai mis des petits extraits. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on va suivre en fait une sorte de policier qui vit sur la Lune et on voit un petit peu sa vie tous les jours sur la Lune. Il doit pas faire grand chose ce policier vu que déjà il n'y a pas grand monde sur la Lune, mais en plus il se passe pas, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Ses journées sont pas forcément hyper passionnantes et c'est servi par un graphique très intéressant. J'ai pas forcément l'habitude de ce genre de graphique, mais j'ai vraiment bien apprécié. Je trouve que ça se prête très très bien au récit. Ça va parler de quelques thématiques assez intéressantes. On voit très vite que ça parle de la robotisation de notre société, de l'hyper-technologie, de l'absurdité de certaines choses justement par rapport à ces robots. Il y a une scène notamment qui m'a fait mourir de rire, mais qui est très très révélatrice en fait de notre société, puisque à un moment, je vais pas expliquer quoi, quand, comment, mais en tout cas, on a un robot qui fait quelque chose. Voilà, il y a une couille dans le potage, on va dire. Et comme il y a quelque chose qui marche pas, et on se rend compte effectivement que seul un humain peut faire ce genre de choses, parce que bah, y a des limites à la technologie. Le robot ne peut pas tout remplacer, et c'est vraiment intéressant. Bah, on a un petit peu tous ces questionnements là-dedans, et c'est vraiment très bien fait avec très peu de mots. Je trouve qu'il y avait beaucoup de poésie dans ce récit. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. C'est une très chouette découverte. Et qu'est-ce que j'ai encore lu? J'ai lu Le Jardin Secret. C'est un livre que j'ai acheté l'année dernière, ou je sais plus trop quand. C'est en fait une adaptation en BD du roman de Frances Burnett. Alors moi, c'est un livre que je n'ai pas lu quand j'étais plus jeune, mais j'avais vu le film. Je sais, avec une amie, on regardait de temps en temps ce film-là, Le Jardin Secret, et aussi, c'était quoi? La Petite Princesse. Donc voilà, on regardait un petit peu les deux. Et j'avais complètement oublié l'histoire de cette petite fille qui a vécu en Inde avec ses parents. Et en fait, suite à une épidémie, ses parents vont mourir. Et elle va être envoyée chez un oncle en Angleterre. Donc elle va découvrir l'Angleterre pour la première fois. Elle va voir ça avec des yeux d'une enfant très grincheuse. C'est un personnage assez désagréable qui, certes, a subi des choses très très tristes dans sa vie. Mais c'est vrai que, bon, on a envie de lui donner quelques petites claques là au fur et à mesure de la lecture. Parce qu'elle est tout le temps avec une tête hyper renfrognée et pas sympa avec les gens. Voilà, elle manifeste sa tristesse de cette manière en fait, hein. Et c'est vraiment un personnage bon, qu'on apprend petit à petit à aimer, hein, malgré tout. Et dans cette histoire, donc, elle va rentrer donc, dans cette maison de son oncle. Elle ne voit jamais son oncle. Elle a de contact avec personne à part une petite domestique avec qui elle va discuter, elle va apprendre des choses. Et elle va apprendre notamment que son oncle ne vient jamais parce qu'en fait il est désespéré, il a perdu sa femme qui a eu un accident. Et sa femme, en fait, ils avaient un jardin, un très très beau jardin. Et vous savez quoi, je vais vous laisser découvrir l'histoire de ce jardin parce qu'en final, vous connaissez peut-être pas l'histoire.
En fait, c'est une BD que j'ai bien appréciée. Ce sera pas ma préférée, mais je l'avais achetée vraiment pour les dessins et parce que j'avais envie de retrouver une petite nostalgie d'enfance, de retrouver cette histoire, mais j'avais complètement oublié, mais tout oublié quoi. Puis il y a des choses qu'on découvre sur la fin, c'est très intriguant. Et j'avais oublié toutes ces choses-là. Il y a un moment, ça me fait même penser à du roman un petit peu inspiration gothique, avec une maison, avec le vent qui souffle, avec des mystères, des choses cachées, des bruits. Un petit côté inspiration gothique, mais pour enfants, qui me plaît bien. Je me souvenais pas qu'on avait ça. Et le jardin, effectivement, les passages avec le jardin sont vraiment très beaux. Il y a vraiment des très belles planches. Et puis, j'aime pas trop le visage de ce personnage, en fait. En fait, c'est un personnage, c'est marrant, quand elle rouspète, elle est vraiment pas très agréable à regarder. Et quand elle sourit, ça devient vraiment un personnage très mignon. Bon, oui, ce que je veux dire, c'est marrant. Il y a beaucoup d'expressivité sur son visage, alors qu'il y a très peu de traits, en fait. Hein. Et c'est marrant. C'est un personnage que, dès qu'elle sourit, je me mets vraiment à l'aimer. Et puis, dès qu'elle fronce les yeux, là, j'ai envie de tirer sur sa petite joue, là. C'est marrant. Voilà, c'est un livre que je vais bien aimer. Maintenant, j'ai vraiment regretté que ce soit coupé en deux. J'avais pas vu que ce serait coupé en deux, et c'est écrit en fait une histoire en deux albums, et je suis un peu déçue parce que je sais pas vraiment si j'ai envie d'investir dans le deuxième tome, parce que c'est bon, en général c'est 15-20 euros ce genre de choses, et est-ce que j'ai vraiment envie d'investir dans 15-20 euros pour la suite. Je pense que je vais le feuilleter en magasin peut-être, mais je sais pas quand il sort, je vous avoue. Donc ça c'est tout pour mes lectures. Je vais compter les livres que j'ai lus depuis le début de ce challenge, puisque je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je suis à 10, 11, voire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. J'ai donc lu 12 livres pour ce challenge, ce qui est très satisfaisant pour moi. Bien sûr, le but c'était d'en lire 14, mais je vous avoue que le but c'était surtout de me faire plaisir, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment découvert plein d'auteurs très différents. J'ai lu des graphiques, enfin vraiment j'ai varié mes lectures, donc je suis vraiment contente. Je vais vous parler maintenant des lectures que je suis en train de faire. En ce moment, je lis pas mal de livres en même temps. C'est quelque chose qui me correspond, donc en général, quand je dis que je lis pas mal de livres en même temps, je lis pas 10 livres sur la même journée. Mais en général, il y en a un que je lis avant d'aller dormir sur ma liseuse, il y en a un que je lis dans les transports, et il y en a un que je lis à un autre moment, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je pense que je vais pas vlogger ces jours prochains, je vais attendre un petit peu, je vais terminer les petites lectures, je vais piocher dans certains livres, mais en tout cas je vais vous montrer. J'ai repris ma lecture de Dostoïevski, Crime et Châtiment, puisque officiellement mon challenge est terminé. D'ailleurs j'ai triché, alors je vous ai pas dit, j'ai rajouté 2 jours. C'est parce que je me trouve toujours des excuses, mais quand j'ai une journée par exemple où j'ai pas un seul instant pour lire, je la compte pas, donc je me suis rajoutée 2 jours en plus. Bref, du coup là c'est fini, et donc je reprends Crime et Châtiment. Je sais pas quand je vous en parlerai, si dans le prochain vlog, je sais pas où j'en serai, bref, je sais vraiment pas, mais c'est une lecture qui me plaît bien. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je pensais dans ce vlog terminer La Compagnie des Loups d'Angela Carter, mais je me suis rendu compte, je vous en ai déjà parlé je pense, que c'était vraiment pas une lecture parfaite pour un challenge, parce que c'est quelque chose qu'il faut déguster, qu'il faut savourer. Savourer peut-être même comme de la poésie, parce que j'aime énormément le style, et je trouve que la lecture est pas pareille quand je sais que j'ai envie d'enchaîner les livres que quand je veux déguster un livre. Et parfois je vais vraiment prendre le temps de relire les phrases, revenir en arrière, j'ai vraiment envie de prendre le temps, et c'est ce que j'ai envie pour ce livre-là, donc je suis pas très loin. Voilà, je vous ai parlé de la première histoire, ben je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. Ensuite, on va parler des petites nouveautés, je crois que je vous ai montré celui-là. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Tornada, La Quatrième Feuille de Christophe Royer. J'ai été contactée par les éditions Tornada, j'ai accepté parce que c'est vrai que j'ai un autre livre que je n'ai pas encore lu, je crois que c'est Isabelle Vilain ou un autre, je ne sais plus, que j'ai reçu de chez eux, que je n'ai pas encore lu, du coup j'étais un petit peu gênée, mais je vous avoue que le thème me plaisait tellement. On va suivre l'histoire de Sophie qui a tout pour être heureuse, visiblement ça se passe bien avec sa famille. Elle a un mari aimant, une famille attentionnée, une amie fidèle, au travail ça se passe bien, elle a une belle maison, enfin bref, le cliché de la belle vie. Et pourtant, il y a des événements qui vont ressurgir de son passé, et
Et on va parler notamment d'un amour toxique, en fait. Et c'est un petit peu ça qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'on parlait de harcèlement et d'amour toxique. Et je trouve que quand c'est bien fait, c'est vraiment un sujet qui est très très intéressant. Parmi les dernières acquisitions, on a, oui, j'ai commandé un livre qui est un livre de Nina Berberova. Je vous ai parlé de cette autrice récemment. En fait, les récits de l'exil de Nina Berberova ont été publiés chez Actes Sud, chez Babel, ici en version poche, dans un recueil. Donc l'accompagnatrice dont je vous ai parlé la fois dernière, en fait, elle se trouve dans Les Récits de l'Exil, je pense que c'est le volume 1. Ici j'ai pris le volume 2 parce qu'il y a un titre qui me plaisait, enfin qui me tentait beaucoup, c'est Le Mal Noir. Qui m'a conseillé ça? Est-ce que c'est de nouveau les Courbes Grassil qui m'auraient conseillé Le Mal Noir? Il y a quelqu'un qui m'a dit que Le Mal Noir, franchement, non, je crois que c'est effectivement les Courbes Grassil qui, dans un commentaire, m'a dit... qu'elle avait vraiment préféré Le Mal Noir et que ça allait certainement m'intéresser. Et donc ici on a De Cape et de Larmes, alors moi je l'ai déjà celui-là, mais tant pis, c'est pas grave. Le Roseau Révolté et Le Mal Noir. Et donc, bah oui, je vous avoue que je suis très 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 intéressée par ce recueil. Alors, je me suis procuré trois petits récits. Alors, j'étais très attirée par la couverture, je la trouve plus si belle quand je l'ai reçue. On est sur une collection Les œuvres du matrimoine chez Librio. C'est une collection Les œuvres du matrimoine qui a pour but de mettre en évidence des autrices entre le 17e et le 20e siècle. Et donc, ça permet de mettre en évidence des autrices qui ont écrit des œuvres parfois merveilleuses, mais qui sont tout simplement tombés dans l'oubli. Il y a notamment 24 heures d'une femme sensible qui me tente beaucoup, de Constance de Sannes. Elle écrit en fait cet unique roman à travers lequel elle souhaite composer une utile et grande leçon d'indépendance à destination des lectrices. Donc ici, on suit l'histoire d'une jeune femme qui sort de l'opéra, qui aperçoit un homme. C'est l'homme qu'elle veut épouser et en fait, il est en train de disparaître avec une autre dans une calèche. Ensuite, on a Félicité de Genlis, Mademoiselle de Clermont. On va suivre Mademoiselle de Clermont qui a 20 ans, qui est princesse, qui tombe amoureuse d'un duc. Et il est amoureux d'elle visiblement. Mais malheureusement, cet amour n'est pas vu d'un bon œil par son frère. Et il va y avoir une histoire d'accident, on ne sait pas plus, c'est très court. Et alors le dernier que j'ai pris, il y en a encore trois autres hein, dans cette collection, je crois qu'il y en a six pour le moment, mais moi j'ai pris ceux qui m'intéressaient évidemment, j'ai pris Isoline de Judith Gauthier. Ici on est sur une autrice, Théophile Gauthier, j'imagine que c'est de la famille moins connue par la postérité que son père, bah oui c'est la fille de Théophile Gauthier tout simplement. On nous dit que c'est un roman aux accents gothiques et qu'elle dresse un fascinant portrait d'une héroïne rebelle qui trouve refuge dans la nature et la lecture. Je pense vraiment, c'est très bien présenté, ça donne très très envie de le découvrir. J'ai fait également, vous allez me dire, je ne fais qu'acheter des livres. Oui, c'est vrai. Donc là, écoute, c'est des petits livres à 3 €, donc c'est vraiment très peu cher. Je trouve que le format est tout à fait accessible. On est vraiment avec un texte très agréable au niveau de la mise en page, de l'épaisseur des caractères et de la grandeur du format du livre. J'ai craqué, je crois que c'est suite. Non, pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi je dis je crois? Je sais que c'est à cause de Cornelius dans une de ses dernières vidéos quand il présente son unboxing de ce livre. Ça m'a rappelé qu'effectivement, Philippe Schwab avait sorti un nouveau livre. Alors, je n'achète pas systématiquement les livres de Philippe Schwab. Moi, j'ai lu Shade of Magic, c'est ça, hein? Avec les Londres, la Londres rouge. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Les suivants, je pense pas que je les ai, ou alors en e-book. Mais celui-là, il me tentait bien parce qu'on est vraiment sur un résumé très intrigant. On va suivre l'histoire d'une orpheline, comme souvent dans des univers un petit peu fantastiques ou fantasy. Cette jeune fille ne rêve qu'une d'une chose, avoir un jour une famille. Quand elle apprend que son oncle l'a retrouvée, elle l'invite à venir vivre dans le domaine familial, elle arrive tout de suite, elle a vraiment hâte de les rencontrer. Et elle découvre en fait que c'est bizarre parce que son oncle est mort. Voilà. Et là, j'ai reçu un colis, je ne sais pas ce que c'est, enfin si ça a l'air d'être un livre, mais je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est en fait, je vous avoue. J'ai commandé un manga, mais... Je ne sais pas... Oh oui. J'ai été contactée par une maison d'édition en plus que j'avais déjà découverte avec grand plaisir, plusieurs fois même. Et j'avais vu que cette maison d'édition avait sorti un livre parfait pour moi. Et ils me l'ont proposé. Et j'ai tout de suite dit oui parce que ça me tente tellement. Ça s'appelle Zaodi. On est en Chine en 2015.
On est sur un thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte, livré par deux autrices amoureuses des ténèbres. Bah, on est vraiment... Ça se passe en Chine et visiblement la culture chinoise est bien représentée dans le livre. On a un côté horrifique. Je vous avoue que je suis très très intriguée. Et c'est sorti chez les éditions Noires d'Absinthe. C'est leur nouveau roman. Je vous avoue que ça me tente bien. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à la tourner, à la monter également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas trop quand sera la prochaine, parce que j'ai une idée pour la prochaine, mais je ne sais pas si c'est faisable. J'ai parfois de ces idées quand même qui sont irréalisables, et donc en tout cas hors de ma portée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao.